C'est en France que ça se passe. L'histoire d'un enfant qui laisse des traces. Sa vie n'est pas un long fleuve tranquille. Quand on parle de handicap, ce n'est pas que des béquilles. Ses parents ont furément, mais classé déficient. Sa mère est un modèle de courage. Une bible à son chevet, elle a tout compris de cet ouvrage. Trop dur pour cette maman d'avoir un tel présent son bébé. Un cadeau, non pas empoisonné, mais difficile à déballer. Alors il est placé dans une famille d'accueil, soi-disant. Mais les tordus en côtoie, sous de faux aspects, bien souvent. On le tape, on l'enferme, ces assassins d'innocence le malmènent. Mon histoire, comme titré l'écrit, 15 ans après être sorti de la nuit. Pas que du noir sur son parcours, il rencontre des gens qui lui donnent de l'espoir, et même parfois de l'amour. Moi, j'avais la tête pleine de rêves, la tête pleine de rêves, la tête pleine de rêves. Au début, tout allait bien, tout allait bien, tout allait bien. Mes premiers gestes, mes premiers cris. Voir son père pleurer après l'avoir retrouvé. Imagine chez ce gamin désarmé et ce que ça peut provoquer. Honneur à son père car tout tombe à ses faiblesses. Lui en vouloir est légitime et lui perçoit cela comme une bassesse. À terre encore une fois jeté, seuls ses bras et son mental pour se relever. Sa mère est lascive de sa taille, on se moque. Sa grandeur d'âme traversera les époques. Possible que l'impossible soit possible, Vince pourrait être malgré lui. Voit les plus malheureux et se dit qu'il n'est pas au fond du puits. Alors il s'accroche, psy et autre défaitiste, le penser impotent. D'élève performant, il passe au statut de travailleur méritant. Évoque Dieu quand ils se sont perdus, pleure tant le monde l'a déçu. Pleure tant le monde l'a déçu. Problème d'argent, maintenant il est vaillant. À 20 ans, souhaite aider sa maman. Vie de famille, il a compris combien cela compte. Fait du rap avec ses incohérences, ainsi il se raconte. Même si les critiques tombent sur son débit maladroit, la profondeur de ses textes fait face aux esprits étroits. Bien souvent, face à une baisse de son moral, il répond juste par un simple « j'ai du mal ». Il rappe sa vie comme il le décrit. Peut-être est-ce le rap qui devrait s'inspirer de sa vie. L'autodérision indique la position de son ego. Admiratif de son père, parcourant de ses mains un piano. Son paternel sombrant dans l'alcoolisme ne le voit plus qu'en photo. Après avoir désiré mourir, il veut vivre pour pouvoir s'accomplir. De ses parents, on s'est moqué maintenant par leur fils. Beaucoup sont épatés. Celui qu'on traitait de maigre parce qu'il mangeait si peu est un gars avec des potos et des amis aussi bons que nombreux. Est un gars avec des potos et des amis aussi bons que nombreux. Des histoires comme celle-là, il y en a. Sûr même que des pires tu trouveras. Mais des gars comme ça, tu ne comprendras pas. Vu le nombre de richesses que sa vie cumula, les coups ont développé son empathie. Sa passion, c'est le rap, mais son style, c'est ses écrits. La vraie force, il la puise en serrant les dents. Puisse Dieu faire que tu rencontres ce battant.